Le camp LNB, c'est pour tous les joueurs cette année jouant en espoir. Là, il y aura beaucoup de coachs et voilà, je sais qu'on va être plusieurs à vouloir vraiment montrer de quoi on est tous capables, mais c'est dans ce genre de situation que voilà, on doit être vraiment les meilleurs. Ça me fait très plaisir, c'est un honneur pour moi d'être sélectionné pour ce camp, c'est-à-dire que je suis parti en quelque sorte des meilleurs joueurs français de ma génération. Du coup, c'est un honneur d'être d'une part convoqué et d'autre part pouvoir me confronter à eux et voir ce que je vois réellement. C'est quand même une fierté, surtout avec le nouveau concept. Il y a 32 joueurs et on peut se dire que on a travaillé pour. Je m'attends à pouvoir jouer, pouvoir m'exprimer et être vu par des coachs. Il y en a un pour B en particulier. Vous êtes considéré comme les 32 meilleurs joueurs du championnat espoir. Donc félicitations, c'est déjà une performance d'être ici. L'engagement de la Ligue par rapport à ça, c'est que pendant ces deux jours, vous serez vu par tous les clubs des trois premières divisions à minima. C'est pas uniquement de l'exposition. C'est un camp sur lequel on a pris des coachs qui vont vous amener à montrer votre valeur et la valeur que vous pouvez apporter à une équipe. L'objectif de ce matin, c'était une petite réunion avec tous les stagiaires qui sont venus au camp pour leur présenter le syndicat des joueurs. Et après, on a abordé deux sujets importants. C'était la réalité du monde professionnel, parce qu'aujourd'hui, ce sont des joueurs stagiaires. Mais demain, on espère signer des contrats pro, soit en JIP, soit en Pro B, soit en NMU. Et ensuite, on a parlé d'un sujet qui aujourd'hui touche tous les jeunes et qui touche en général le monde du travail, c'est les réseaux sociaux. Ils nous ont donné plein d'infos sur les paris sportifs, sur nos droits, savoir un peu l'après sportif, la reconversion professionnelle, donc c'est hyper intéressant. On a appris plein de choses. Tous les joueurs sont là pour la même chose déjà, ils sont là pour pouvoir se montrer. Et en plus, là, par rapport à d'autres années, là, c'est les coachs de Pro B qui ont fait une liste. Donc c'est pas des joueurs qui sont présentés par les équipes, mais c'est des joueurs qui sont sélectionnés. Il y a beaucoup plus de niveau, quoi. Le parrainage, ça consiste à aider un peu les jeunes et les accompagner sur leur projet sportif, parce que c'est bien aussi pour nous en tant que joueurs. C'est ce côté un peu transmission où on les épaules, on les chapeaute un peu. C'est important pour nous d'être là et de leur montrer qu'on met des joueurs qui ont déjà fait une carrière en LNB pour aussi les accompagner, les aider à lancer vraiment leur carrière. Quand on est entraîneur, on a envie d'exploiter les qualités de son groupe. Et là, il y a beaucoup de qualités sur le terrain, il faut juste les mettre un petit peu dans le bon ordre. On sent leur envie de bien faire et donc nous, on a aussi envie de très bien faire. 1, 2, 3, bonheur ! Stop, rebond, courir. Stop, rebond, courir. Si on fait ça, on va être très bien. 1, 2, 3, bonheur ! Allez les gars, allez. Bah, je trouve que la formule est super intéressante parce qu'en plus on a la chance de croiser tous les coachs, de se retrouver un moment ensemble et d'échanger sur différents thèmes à mi-saison. C'est plutôt une bonne démarche, quoi. Ce qui est très bien, c'est que les gars de JP Elite s'en occupent très bien, donc ça nous permet d'avoir un cadre assez structuré dans un lieu qui respire le sport, donc pour nous c'est un gagne-temps fabuleux. De venir par une victoire. Moi je suis très content d'être ici, ça me permet de me montrer. Donc là on est qualifié en finale, repos, stretch, glace, et puis demain la finale. Let's go. Bah, c'est un plaisir d'avoir des jeunes qui écoutent, qui essaient de mettre en application, et surtout qui ont une intensité qui est super intéressante, qui rattrape beaucoup d'erreurs, et puis qui ont envie de bien faire, vraiment c'est un vrai plaisir. D'intensité, c'était assez fatigant et on demande de beaucoup défendre, donc forcément ça demande beaucoup en caisse, donc moi je suis assez content et on va proche de la finale demain. Mais les mecs se sont battus jusqu'au bout, la dernière possession c'est de ma faute, je la gère mal, c'est la faute du coach, donc non, bravo à eux et qu'ils se reposent pour que demain ils soient performants.
Là, on est en train de passer des batteries de test physiques. On est motivé parce que c'est un camp qui a du sens pour nous. Je pense que la LNB a fait un super boulot pour changer un petit peu les dates, changer un peu la formule. Le fait que ça se passe au mois de février, ça donne du sens à ce camp. La tribune était remplie hier et tous les jeunes joueurs sortant du centre de formation ont pu être vus, ont pu être observés par des coachs de Pro B, de N1, de N2 parfois. Et donc c'est une vraie réussite de ce point de vue-là. Ah, super camp, franchement c'était top. Les deux jours c'était bien programmé, c'était intense, physique. Du niveau, c'est super. Franchement, que du positif à retenir. Il y avait des coachs présents pour nous voir, donc rien à redire sur l'organisation, c'est parfait. 1, 2, 3 Ça m'a fait plaisir d'être MVP. C'est grâce à mon équipe aussi, parce qu'on a joué collectivement et tout le monde l'a apporté. Positif, comme les années précédentes, avec un format différent qui le rend encore plus attractif et plus compétitif. Je pense que ça, c'est essentiel pour valoriser le travail de la Ligue. Ce camp se bonifie au fil des années et encore une fois renouvelé.